J'enlève? Ok. Je suis vaccinée. C'est vrai. Ok, quand vous voulez. Donc je suis Sophie Humbert, je suis la gagnante du prix des femmes 2020 et j'ai créé la start-up Aglaé, l'entreprise pionnière du végétal luminescent. J'ai décidé de postuler au prix des femmes 2020 parce que pour moi, déjà, les arts et métiers pour Aglaé, c'est une chance de pouvoir valoriser notre savoir-faire qui se situe entre les sciences et l'art. Et en l'occurrence, les arts et métiers nous aident à pouvoir aller au bout de nos ambitions qui sont celles de la recherche et être encadrés aussi dans un cadre plus structuré qui nous permette également d'être plus proches de nos futurs partenaires. La valeur ajoutée d'Aglaé, c'est qu'on crée nous des plantes luminescentes. Donc l'avantage de ces plantes, c'est qu'elles sont naturelles, comme vous pouvez le voir ici, et également qu'elles puissent rejeter de la luminescence sans modification génétique grâce à un sérum nutritif et éco-responsable. Ce qui a inspiré le concept, c'est la bioluminescence que l'on retrouve chez 80% des espèces issues des fonds marins et qui peuvent donc aussi fonctionner aujourd'hui chez le règne végétal. Donc chez Aglaé, au début, j'ai commencé toute seule et aujourd'hui, on est 7 personnes dans l'équipe, à la fois une équipe de créatifs et de chercheurs qui travaillent au quotidien pour créer la luminescence végétale. Quand on a commencé chez Aglaé, on a commencé dans le secteur événementiel. Aujourd'hui, nos objectifs, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'ici 3 à 5 ans, pouvoir créer des solutions plus pérennes de luminescence végétale sur des plantes racinaires pour pouvoir éclairer petit à petit les villes de demain. Ouah, j'en ai plein. En plus, c'est pas mon film préféré.